Oui, salut tout le monde, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Rise of the Tomb Raider. Alors, j'espère que vous allez bien. La suite des aventures de Lara, et ben on est reparti, hein, les amis, hein. Alors, nous voici arrivés sur une toute nouvelle map, les amis, hein. Donc, le complexe soviétique, et regardez-moi ça, tout ce qu'il y a à faire. A priori, c'est une grosse map, hein. Regardez-moi ça. Donc, nous avons pas mal de choses à faire, hein. Nous avons notamment 26 documents à trouver, 21 caches de survie, 18 reliques. Voilà, donc on va s'amuser, hein. Alors, a priori, il y a aussi des cerfs, des loups, hein. Des félins par là. Ok, bah écoutez, on va s'amuser, hein. Alors, l'objectif était là, hein, mais nous, on a dévié. Hein. On avait vu une espèce de petit renfoncement, donc on s'y est enfoncé. Hein. On avait chopé une petite caisse juste à côté, puis on a vu le trou. Donc Lara a réussi à s'y faufiler. Hein. Alors, a priori, les amis, c'est une entrée de crypte. Hein, donc voilà, regardez, tac, c'est marqué entrée de la crypte. Hein, donc on va aller voir ce que c'est. Hein. Voilà. Alors, auparavant, nous avons complété la map, la grotte de glace. Hein, donc c'est ce que je vous disais, les amis. Hein, c'est une carte qui nous sert à rejoindre une autre map. Hein, voilà, une autre zone. Hein, donc c'est un couloir. Alors ce faisant, nous avons fait un tombeau. Voilà. Hein, et nous avons mis un point de compétence, les amis. Hein, alors, si je me trompe pas, le point de compétence, il s'agit d'augmenter la durée de la visée stabilité de l'arc. Hein, donc ça va être beaucoup mieux. Hein, ah, voilà. Alors, allons-y, allons voir ce que c'est que la crypte. Très bien. Très bien. Oh, tiens, je peux très bien le pot. Oh oui, moi j'adore. Quoi? Défi, au fond des ténèbres, explorer les grottes. Vous avez exploré une grotte sur 5. Ok. C'est un défi, les amis. Hein, il faut explorer. Enfin, quand ils disent explorer, en fait, c'est il faut trouver 5 grottes. Hein, donc, on en a trouvé une. D'accord, très bien. Pas de problème. Alors, hein, attendez, j'ai vu un truc. Ah, ça doit être ça. Champignons. Ah, ah, on est full. Ok, ça. Vas-y, chope-moi ça. Allez. Ok, cool. Très bien. Je vais péter le pot. Voilà. Parce que j'ai envie. Donc, le champignon, on est plein apparemment, hein. Allez, tac. Ok. Je crois qu'elle a fait son. Ah, si, le piolet là. C'était un bug visuel, je pense. Alors, c'est ça la grippe? Oh, bah, dis donc. Comment qu'on fait pour péter? Ah! Ah, reviens! Reviens! J'ai vu un truc. Ok. Ah, c'est le champignon. C'est le champignon. C'est champignon. Ok. Voilà, ah, joli, joli ce faufilement. Oh, des pognons. Bien. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, un truc à traduire. Koukos Denis, c'est l'astronome. D'accord, alors c'était du grec. Hop là, attention. On n'a pas de map là. Ah non, on voit rien. On voit rien. Oula! Bon alors, à gauche ou à droite? Bon allez, filons à gauche. Ok!
Ah la pétage de peau. Ah ouais, j'adore péter les peaux. Pourquoi tu veux pas le péter celui-là? Ah bon. Ok. Oh. Il va où ce chemin? Pète le pot. Pète-moi le pot. Voilà. Je joue là. Bon, écoutez, on ira voir après. Hein? Voilà. On va quand même regarder par là. Alors, il y a un truc là-bas. Hop là. Vas-y, saute. Tac. Y'a rien en bas? Ouais, d'accord, y'a rien en bas. Ok. Ok, très bien. Bah, hop là. Allez, un peu de. Je sais plus comment ça s'appelle, ce minerai. Voilà. Du minerai. Un document. Un prophète doit avoir des fidèles. Cocos de Nicée fut l'un des premiers. Considéré comme un hérétique dans sa ville natale, Cocos rejoignit le pèlerinage vers le nord. Sa connaissance des étoiles contribua à orienter le groupe. On raconte que Cocos et le prophète pouvaient s'asseoir des heures durant sous les étoiles pour débattre de la nature de l'univers et de la place incertaine de l'homme à l'intérieur. Pour le prophète, il construisit un planétaire, de sorte que même pendant l'obscurité de l'hiver, il pouvait contempler le ciel nocturne. Ok, d'accord. Alors, la cité de Kitej n'a pas été construite par le prophète seul. Il a su s'entourer des meilleurs et des plus brillants. D'accord. Cocos de Nicée, l'astronome, les cryptes des fondateurs. Ah. Intéressant. Plus rien. Bon, il n'y a plus rien. Et hop là. Bon, on va aller voir par là maintenant. Alors, on avait vu qu'il y avait ça et ça. Oh, oh, oh. Oh. Ah, très bien, on a fait le tour, les amis. On a fait le tour. Ok, donc du coup, on a deux chemins là encore, non? Il y a ça. Et il y a ça. Ah, oh, bon. Allons à gauche. Très bien, là c'est un cul-de-sac. Quoi? Mais là aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose, non? Ah! Ah, il y a une poubelle là-bas. Quoi? Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est du bois! Ah! Du pognon! Ok, ça? Non, ça c'est rien. Ça c'est rien! Tac. Comment on y grimpe aussi? Par là? Ah ouais, tout simplement. Poubelle! Alors, un tissu. Bon, je vois rien. Je préfère redescendre par là. Quoi? Mais c'est profond, non? Ok. Ok, on est déjà venu là, c'est ça. Ok, ça c'est l'entrée, mais attendez, j'ai vu un truc. Hein. J'ai pas vu un truc là.
Quoi? Taquet. Hein? Alors attendez, je suis perdu! Ok, d'accord, c'est bon. Oh, c'est bon, on a fait le tour, hein. Ouais, on a fait le tour. Bon, j'ai cru avoir vu une ouverture. Mais non, alors du coup, on va aller là, hein. C'est ça, hein. Ah! Ah! C'est un tombeau! Ok. Hop là! Morceau d'arc ancien. 1 sur 4. Ok. Ah, du pognon là! Tac. Autre chose, non? Oh, encore du pognon. Voilà. Bon, c'est bon. Très bien, alors. On a pillé le trésor de la crypte, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, ok. Impeccable. Bah, écoutez, c'est bien. On va ressortir de là. C'est par là, non? Attendez, ouais. Oui, nous sommes déjà venus là, donc c'est par là. Hop là! Ok, cool! Ok, bon. Voilà! Nous sommes sortis de la crypte. Très bien, nous avons pillé la crypte. On est fou, le champignon. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est pas par là. Allez, c'est par ici. Voilà la sortie. Ah, voilà la sortie, cool. Alors, voilà. Donc Lara peut se faufiler comme ceci. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Regardez, elle a sali son pantalon. Voilà, il y a de la givre et tout ça. Alors, pourquoi t'es passé en mode de défense? Je peux pas faire grand chose pour l'instant. Quoi? Quack, pourquoi tu dis ça? Un document. À toutes les unités. Il n'aura pas fallu 2 jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé 2 ans en Afghanistan et 1 an en Indonésie et rien. Mais après à peine 1 jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voiler alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe. J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là. Puis la seconde suivante. Plus personne. Juste un tas de chair. Je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise, que nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire. Ok, c'est un psychopathe. Si c'est des gens comme ça que l'Ordre de la Trinité recrute, première élimination au cœur des ténèbres. Et voilà nos ordres. Constantin a quitté la prison. Il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Putain, il faut vraiment qu'on rétablisse la liaison. Il y a du monde. C'est qui? Qui c'est? Oh, il y a un gars là-bas. C'est un ennemi? Ouais, ça a l'air d'être un ennemi.
C'est bon. Quoi ? C'était hallucinant. Un enfoiré avec une hache, avec trois mecs armés devant lui. Rien que ça. Je sais pas comment ils ont réussi à en capturer un vivant. Mais c'est qui, en fait, ces gens ? D'après l'équipe de Reco, il y a un vieux village sur la montagne. Mais ils avaient dit que c'était des paysans. Ils croyaient qu'ils allaient se rendre sans broncher. Des paysans. Mon cul, ouais. Des guérilleros super entraînés. Ils ont quand même réussi à se débarrasser des soviétiques. En tout cas, c'est bon signe. Ils sont sûrement là pour protéger quelque chose qui est caché dans la montagne. On doit être au bon endroit. Tu sais ce qu'on cherche pour de vrai ? Non. On n'a pas ce genre d'infos quand on est un troufion. Mais c'est du lourd. On monte pas une si grosse opération pour des cacahuètes. Ça fait même pas un an que je suis sur le terrain. J'avais encore rien vu d'aussi gros. On n'avait pas eu d'aussi grosse opération depuis l'île. Mais c'était que du nettoyage. Ici, ça n'a rien à voir. Tu veux un conseil ? Longe les murs. Et pose pas trop de questions. Ok, du monde, les amis. Il y a eu un message tout à l'heure avec des bouteilles. Alors, j'ai cru comprendre... Oula, qu'on peut faire diversion en prenant des bouteilles, c'est ça ? Hop là, ramasser une bouteille. Ok. J'ai une bouteille ? J'en fais quoi ? Je sais pas quoi en faire de votre bouteille là. Bah, j'ai pas vu le message. Je crois qu'on peut la balancer. Attendez. Comment on balance un objet déjà? Ah, comme ça. Ah, voilà. Ah. Ok. Je peux la balancer là-bas, là. Tac. Stop. Je vais regarder. Compris. Alors, pourquoi ils sont en rouge? Ils sont en alerte, hein. Ah, lui, il est plus en alerte. Ouh, magnifique! Très bien. Ah, c'est cool, on a eu les deux. Je pensais pas pouvoir avoir l'autre. Hein? Qu'est-ce que j'ai vu là? Ah ah! Ok, deux écrous. Nous avons ramassé deux écrous. Ah, tiens, un arbre. C'est sympa, un arbre. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour les champignons. Ah, des écrous, s'il vous plaît. Très bien. Ok, on a encore des bouteilles là. Ah, c'est sympa ça, donc on peut faire diversion avec des bouteilles. Voilà. Ça évite d'envoyer une flèche. Tac. Ok. Bon bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, nous sommes arrivés là. Alors, attendez, je fais demi-tour parce que je vous demande si j'ai bien fouillé le coin là-bas. Là, là, par là, là. Ok, ouais, 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 y'a rien. Y'a rien, en fait. Ok, y'a rien. Pas de problème. Pas de problème. Alors, c'est marrant, ça. On peut choper des bouteilles et puis les balancer où on veut. Haha, trop marrant. C'est quoi, ça? Ah ah, j'ai fait tomber le nid. Ah, de toute façon, on est full plume. Ok. Tac. Hop. Ok. Bon, écoutez les amis, je pense que... bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà. On ira voir ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, de la palissade, là, en sautant sur ce mur, on verra bien ce qui s'y passe. Allez, merci de m'avoir suivi sur ce jeu, je vous dis à plus, bonne nuit, ciao.